Bonjour à toutes et à tous. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Vous trouvez ça joli? Ça s'appelle de la poésie. Et j'ai choisi, dans le cadre du quart d'heure lecture et dans le cadre de l'opération Tout le monde lit, un recueil de poésie de deux grands poètes du 19e siècle, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Que trouve-t-on dans leur poésie? On trouve de l'amour, on trouve de l'amitié, on trouve de la nature, on trouve des questionnements sur le monde, on trouve aussi du voyage, on trouve aussi l'altérité. Mais on trouve aussi les soubresauts du 19e siècle et notamment la commune, parce qu'il y a également des poésies politiques. Il y a aussi la question de la femme. Dans la poésie de Verlaine et Rimbaud, la question de la femme est essentielle également, puisqu'on y retrouve le corps souffrant et le corps aimant des femmes. La poésie, c'est l'ouverture à l'autre, l'ouverture à tous les autres, l'ouverture au monde, à l'ailleurs, à la nature, au désir. Alors, faites comme moi, lisez, lisez de la poésie, lisez de la bande dessinée, lisez des romans, lisez de la philosophie, mais lisez.